Femmes, ça sort pour tes enfants, ça sort pour ces personnes-là. Alors il faut travailler pour que tu sois en mesure de prendre soin de ta famille. Et cada ano, fim do ano, sai numa coleção. É para quem? É também para sua esposa, para seus filhos. Trabalhe e consegue também agradar o desejo da sua mulher. Si tu n'es pas préparé à une responsabilité, je te dis que ça te sera une corvée pour l'assumer. Se você não fosse preparado para uma responsabilidade, vai ser uma amassada para você assumir. Il y a des gens que demander la ration le matin, ça les énerve. A pessoa, quando a mulher chega, pede dinheiro de jantar, fica nervoso. Au point de prier la nuit, Seigneur, toucher le cœur de ma femme, ne pas me demander la ration. Oh Seigneur, j'attache le cœur de ma femme, j'ai lié le cœur de ma femme, au nom de Jésus, l'esprit de ration, sort de ma femme, sort! Qu'aujourd'hui ma femme puisse se serrer la ceinture, Seigneur. Et elle a aussi, non, mais elle est venue de l'eau de jantar aujourd'hui. Seigneur, que mes enfants puissent serrer la ceinture aujourd'hui. Même si je n'ai pas l'argent à leur donner. Ouais. Il y a quelqu'un qui faut cette prière. A pessoa que faz essa oração. Meu Deus, perdoa que meus filhos hoje. Il dit, pasteur, il faut prier. Ma femme est trop dépensière. Ah, a minha mulher gasta muito dinheiro. Elle aime trop acheter les choses. Ela gosta de comprar. Et le pasteur curieux lui pose la question, qu'est-ce qu'elle te demande souvent? Pasteur, chaque jour, elle veut que je laisse l'argent pour la nourriture. Todos os dias, ela pede de onde jantar. Est-ce que je travaille à la banque, moi? Eu trabalho no banco. Je ne suis pas banquier. Oh, mais je vais la nourriture deux jours, trois jours. Oh, podemos fazer bem, eu posso cozinhar. São três dias. Je vous mens pas, nous sommes nombreux les hommes qui comptons les viandes dans les marmites. Oh, non, mito, somos muitos homens que controlamos pedacinhos de carne na marmite. Maman, pardon, aujourd'hui on a acheté 4 poissons. Commence par la petite tête là. Tu donnes les enfants la moitié, tu divises par deux. Hoje temos 4 peixes. Le père, le père, nous pouvons bien prendre l'eau. A cabeça, corta a cabeça. Parce que peut-être que je n'aurai pas assez d'argent. Amanhã não terei dinheiro. Pode guardar para amanhã. Esse espírito da pobreza. E a tua voz, espírito da pobreza, como esse só? Espírito da pobreza, sai desse corpo. Como esse só? E a espírito da pobreza, como esse só? Sai desse corpo, diga, espírito da pobreza, sai desse corpo, seu vizinho. Só se respira em pobreza. Esse é o espírito da pobreza. E a pessoa que ama que ele tem, arriva nas outras famílias. A pessoa que gosta quando tem óbito na outra família. Parce que quando ele vai dar a ideia, ele vai que ele está tendo fé. Enquanto vai começar a fazer as coisas. Ele nettoie le poulet. Vai começar a lavar a galinha. Vai começar a tirar algumas partes, vai começar a meter de lado. E que nettoie le poulet, lá e põe vai lavar, lá. Vai lavar, vai pegar as patas. Quando eu quitei Kinshasa, as partes ici, de poulet, on vendait pas ça. O pastor quando saiu do Congo, eles vão vender só o Camerun. Aquela perna de patas de galinha. Mas avant, eu já regardei um vídeo onde dizem que on les vende já aqui. Mas agora está se vendendo já. Então, on a arrêté, on vendait só des choses comme ça. Mas ici, les patas, avec les trois tons de poules lá, les gens mangent. Mas agora estão vendendo, as pessoas estão comendo com fungos. Ou le coq vai entrer n'importe où avec ça. Aquelas patas. Vão fechar os olhos. E a parte de ser fermée. Confunde. Parce que a família entrou no país. Porque fome entrou no país. E se eu te disse essas coisas lá? E se eu te disser essas coisas? Parce que toi tu entends ça está en Turquie. E porque você está aqui na Turquia. J'aimerais te dire que Dieu a fait sortir les enfants d'Israël en Égypte. Deus fez sair o filho de Israel para Egito. Pour aller apprendre la science qui les servira de revenir et rebâtir les temples selon les modèles des choses qu'ils ont vues en Égypte. Tempo de dar, fazer o modelo que eles viram no Egito. Je veux dire tout simplement que parmi nous ici, il y a des gens qui vont rentrer développer l'Afrique. Il y a des gens qui vont développer l'Afrique parmi nous dans cette salle. Il y a des révolutionnaires en Afrique parmi nous ici. Des gens qui vont lever la honte à l'Afrique sont dans cette salle. Des gens qui vont lever l'humiliation sur l'Afrique sont dans cette salle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est toi qui vas enlever la honte sur ta famille. Você que vai tirar vergonha da sua família. Je te dis la vérité. La lumière va entrer dans ton village à cause de toi, au nom de Jésus. Je te dis la vérité. Si le problème des télésages va finir en Afrique, ça c'est à cause de toi, au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui vont révolutionner l'Afrique dans cette salle. Alors il va falloir que tu commences à donner une raison à chaque action que tu vas poser. É necessário que tu deixes uma razão em cada ato que você pausar. Pourquoi je ne dois pas encore m'engager? Por que não posso ter engajamento agora? Une sœur qui a fait l'économie en France.
Uma irmã que fez economia na França. Ele estava com moi ici en 2014. Estava comigo aqui em 2014. M'a appris une petite phrase rapide en économie. E me ensinou uma frase na economia. Il dit, pastor David, si on t'appelle millionnaire parce que tu as un million. Diz, pastor, se chamado milionário porque você tem um milhão. Sache que pour qu'on continue à t'appeler millionnaire, il faut chercher un autre argent pour que tu gardes le titre de millionnaire. Para permanecer a esta posição, você tem que procurar outro dinheiro. É outro argent que tu manges hors de tes millions. Quer dizer, outro dinheiro que você vai consumir fora desse milhão. Parce que si tu as 1 million et que tu dépenses 100 000 dans les 1 million. Se você tiver 1 milhão e gastar 100 mil dentro de 1 milhão, tu n'auras plus les millions. Você não vai te chamar mais de milionário. Et on t'appellera plus millionnaire. Não vão te chamar de milionário. Il y a des gens qui n'ont pas le problème de sorcellerie, ils ont simplement le problème de la mauvaise gestion. Há pessoas que não têm problema de bruxaria, mas têm problema de la mauvaise gestion de tout. Má gerência de tudo. La plupart des chrétiens gèrent mal même les sentiments. Também há pessoas que gerenciam mal também os seus sentimentos. Ils font confiance à n'importe qui. Ele confia em qualquer um que seja. Ils s'engagent dans des relations avec n'importe qui. E também se entra em relação com qualquer um que seja. J'ai voulu prendre mon temps demander papa si il a imposé maman cause de sa beauté physique. Eu queria perguntar ao papá se casou com a mamãe por causa da beleza. Et que si maman avait accepté la main de papa la proposition sans aller demander d'abord à ses parents avant de revenir dire oui. E se a mãe aceitou sem antes ir aos seus pais e je l'ai dit au courant de la semaine, nous sommes nombreux, filles et garçons, dans somos números, mulheres, homens e mulheres. Nous commençons et nous consommons des relations sans que nos parents aient été même un jour informés. Un jour. Nós começamos nossas relações também sem que nossos pais. On se rencontre dans la rue et on se dit oui dans la rue et on commence à consommer, c'est-à-dire coucher ensemble dans la rue sans que et on a même des grossesses dans la rue sans que les parents n'aient été même au courant que non. Mutuma chanalitoi, même pas les parents. C'est pour cela aussi ça finit mal. Qui commence mal terminera toujours mal. Você começa a namorar sem informar os pais, também vão ter gravidezes sem informar os pais, porque tudo que mal começa também acaba mal. La Bible a dit le projet échoue parce qu'il n'y a pas de conseiller. A Bíblia diz projeto derrota porque não há conselheiro. Et le projet réussit c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui donnent les conseils. E o projeto tem êxito quando há muita gente que dá conselho. Proverbe 16 verset 20, la Bible dit celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. A Bíblia diz quem reflete sobre as coisas acha a felicidade. Et celui qui craint l'Éternel réussira. E quem teme a Deus terá êxito. Nous sommes nombreux à l'église qui ne connaissons pas pourquoi on doit craindre Dieu. Somos muitos que não sabemos por que nós temos que ter terre, on est chante, on est toutes ces choses, on ne connaît pas pourquoi on doit se sanctifier, pourquoi on doit craindre Dieu, pourquoi on doit fuir les péchés. On trouve ça méchant lorsque le pasteur dit que non, arrête l'impudicité. On peut même quitter l'église là, on peut même fiasser le pasteur. On s'habille comme bon nous semble. J'avais dit le dimanche passé, on s'étatue, on boucle, on perce les oreilles, on perce le nombril, on perce les langues, on fait toutes ces choses sans jamais demander un conseil parce que nous savons que ce que nous faisons c'est bon pour nous. Nós temos feito coisas horríveis que nós pensamos que são bons para nós. Não, não, não. Quelqu'un ne peut pas lui dire que ma soeur tu es mal habillée parce que tes formes sont dessinées. Est-ce que tu peux porter un habit qui descend un peu? Non, tu l'as dérangé. Tu peux gâter son culte comme ça. Elle est horrible. Decentemente, porque essa roupa de malgré que la Bible todo pode, não pode. Pour laquelle elle est venue à l'église. La Bible dit à 1 Timothée 2 que les femmes s'habillent décemment. Elle ne va jamais lire ça. Elle ne va jamais. Mais si le pasteur tu l'interprètes, il dit que tu as choqué ma sensibilité. Je quitte l'église. A Bíblia diz que a mulher tem que se vestir decentemente. Mas se o pastor repetir isso, vai falar que não tocou a minha sensibilidade. Eu vou sair dessa igreja. Então julgar pessoas. Se a Bíblia diz venez dès que vous êtes, a Bíblia ne dit pas restez comme vous êtes venus. Se a Bíblia diz vinde na forma que vocês estão, e não quer dizer que você tem que permanecer. E a deixar que são sensível ao reproche, ao reprimando. A pessoa que você dá quando você lhe repreende. Provérbios chapitre 29, verset 1. Provérbios 29, verset 1. Que celui qui mérite les reproches et qui refuse qu'on lui reproche, il mourra sans qu'il y ait un remède pour le sauver. A Bíblia diz, a pessoa que não merece que seja arrependida, também ele merece a morte sem conselho. La génération de gens qu'on ne peut pas interdire, comment tu peux publier ton mari?
en public, à réunion publique. Quand vous êtes rencontrés, est-ce que tu as mis ça dans le pilier public? Quand vous étiez dans l'intimité là, pourquoi tu n'as pas mis Facebook Live? On aimerait voir la pornographie de vos chambres en Facebook Live comme vous le faites quand vous êtes séparés. Pourquoi vous ne le faites pas? Parce qu'il y a des enfants qui n'écoutent pas les parents. Qui vont publier des nudes de ses enfants. Les enfants qui ont servi l'éducation à travers les réseaux sociaux. Ils n'ont plus l'éducation dans la famille. Non, t'es éducation dans la famille. Si tu avais rencontré cet homme et tu allais demander à ton père, peut-être il te dit, avec ce que j'ai prié, avec ma sagesse, il faut parler avec ça. Et ça t'aurait parlé des conséquences. Si aujourd'hui, tu as la palpitation. Permettant à son père, il pouvait lui demander d'orienter la forme qu'il va orer. Il y a des gens qui n'étaient pas infidèles. Ils ont appris à être infidèles à cause des compagnes qu'ils ont eu dans la vie. Ah, ça qui n'ont pas infidèles, mais ficaram infidèles pour cause de la namorada ou de la personne qui t'a envoyé. Si tu te maries à une mauvaise personne, tu peux finir mal tant que sœur. Si vous êtes casé avec une mauvaise personne, vous êtes marié. Et aussi, un homme, si se marie avec une mauvaise femme, il peut dire au revoir à ses rêves. Um homem deve se casar com uma mulher que não presta, você pode por despedir mesmo um bom. Há servidores de Deus, de profetas, que ont vendu les rêves à cause des femmes, des mauvais choix qu'ils avaient fait. Há profetas e servos de Deus que venderam seus sonhos por causa da escolha das mulheres que eles fizeram. La Bible dit que la grâce est trompeuse. Proverbe chapitre 31, verset 30. A Bíblia diz que a graça é enganadora, proverbe. La beauté est vaine. A beleza é. Mas celui qui craint l'éternel, c'est celui qui sera acclamé. Mas quem tem a Deus será aplaudido. La crainte de l'éternel, c'est le commencement de toutes choses. La crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de l'éternel, c'est ce qu'il nous faut. É aquilo que nós desejamos. Respecter la parole de Dieu, c'est pour ça qu'on vient à l'église. Respectar a palavra de Deus é a razão pela qual. Tu ne peux pas venir à l'église et après l'église, tu pars à l'hôtel. Qu'est-ce que tu viens faire à l'église? Você não pode vir à igreja depois vai ao hôtel. O que tu viens de fazer? Comment tu peux venir à l'église, après les cultes, tu ne parles pas aux gens qui sont dans ton église. Vous êtes tranquille, vous ne vous parlez pas. Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Vous pouvez venir à l'église, vous êtes une personne avec qui on ne se parle. Pourquoi? Comment tu peux venir à l'église avec un mouchoir empoisonné? Que tu attends après l'église, je donnerai à mon frère. Quand il va aspirer ça, il va mourir et j'aurai sa chose. Qui est le chrétien tu es? Como que você pode trazer um veneno para você envenenar o seu irmão para ele morrer? Que tipo de cristão és? E como tu peux être chrétien et tu te réjouis des malheurs des autres? E como que você pode ser cristão se tu partages les malheurs des autres? Da maldade ou diferença? La Bible dit celui qui est mauvais que on ne trouvera pas le bonheur. Toi qui te réjouis des échecs des autres, au Kobona Kaniet, au Romona Olamute, Tiana Salomisuboué, ça n'arrivera pas le bonheur. Toi qui voles les autres, on t'a mis quelqu'un pour travailler, et tu voles ta soeur, tu voles ton frère, tu ne réussiras pas. Nunca terá felicidade, nunca terá êxito na sua vida. La Bible dit dans Exode chapitre 23, le verset 9. Exode 23, 9, la Bible dit: je vous ai amené en Égypte pour vous montrer comment les étrangers souffrent à l'étranger. Eu vos levei em Egito para vocês verem que lorsque vous serez à la terre promise, que vous ne puissiez pas maltraiter les étrangers qui seront dans votre pays. Para não maltratar os estrangeiros que vão se voltar na vossa. Parce que vous connaissez ce que les étrangers subissent parce que vous avez été étranger. Porque vocês sabem como é que os estrangeiros sofrem. Celui qui a été préparé au mariage ne peut pas faire souffrir sa femme. Quem foi preparado ao casamento pode sofrer. Celui qui a été préparé au mariage ne peut pas faire souffrir son mari. Não pode sofrer, fazer sofrer sua esposa. Je connais un homme de Dieu qui a commis des bêtises dans sa maison. Eu conheço um homem de Deus que cometeu. Parce que sa femme ne savait pas comment lui refuser le corps. Porque a filha ele trouvait ça comme un ring. Si tu me donnes pas l'argent, je te ferme le corps. Si tu me donnes pas l'argent, je te ferme le corps. Et l'homme se dit, ok, il n'y a pas de problème. La femme qui est à la maison veut coucher avec elle. Et le mariage aujourd'hui est divorcé. A mulher commence à faire chantage. Si non me donne dinheiro, também não vou abrir minhas pernas. La Bible dit, ne vous privez pas l'un de l'autre. Sinon, à cause de la prière. Mais va qu'à la prière, tout en revenant ensemble. Ne vivez pas dans les conscients. 1 Corinthiens 7, verset 14, on a ça. Mais nous vivons pour punir les maris. On vit pour punir les hommes. Mais vous parlez de la bonne année. Você não pode privar o outro, a não ser para oração, mas depois tem que se juntar. Como você vai privar o desejo do outro? Nós não temos razões pelas coisas que nós temos feito. Você não sabe porque você recebe esse dinheiro. Você não sabe porque você. Tem gente que não sabe porque faut donner as ofrendas à l'église. Você não sabe porque tem que dar oferta na igreja. Tem gente que não sabe porque faut payer la dîme à l'église. Por que tem que dar dízimo à igreja? E quoi que não se te donne para lhe faire souffrir le pasteur? Esse, se não der, fazer que vai sofrer. Est-ce que tu sais que Dieu a dit que si tu donnes.
personne, il va ouvrir les églises de Dieu et il va te bénir. C'est toi qui es béni à chaque fois que tu es fidèle dans les offrandes et dans les dîmes. C'est pas le pasteur qui est riche. Mais tu ne sais que la Bible dit, si tu t'es, Dieu va abrir les écluses à nous. Mais lequel vous pensez? Non, pasteur. Et regardez les filles, l'habillement du passé, il est tout pas bien habillé ce jour-ci. Ah, c'est bien, il est. On va venir les offrandes pour qu'il s'allait bénir. Tout, t'as vesti bien. Tu es en train de priver les bénédictions. T'as c'est privé de bénédiction. Nous sommes les enfants de Dieu. Somos filhos de Deus. Les enfants de la lumière. Filhos da luz. La lumière du monde. A luz do mundo. Le sel de la terre. O sal da la Bible dit si le sel perd sa saveur. Quando a sal avec sa quoi la lui rendront-on? Nous avons de la saveur. Jésus nous a donné de la saveur. Nous devons garder cette saveur. Nous sommes différents des païens. Nous sommes différents des sorciers. Nous sommes différents des occultistes. Nous sommes différents des magiciens. Montons cela par notre comportement. Tem que se ver através do nosso comportamento. Como é que tu é filho de Deus, tu insultas mais que um pagão? Como é que você, filho de Deus, está ofendendo mais do que um pagão? Tu paga mais que um pagão. Você luta mais do que um pagão. Tu voles plus qu'un sorcier. Rouba mais do que um bruxo. Les paroles qui sortent de ta bouche peuvent blesser comme un sorcier peut blesser. Palavras que saem da sua boca podem ferir mais do que um bruxo pode fazer. Tu médites le mal avant de faire à ton frère. Medita mal antes de fazer ao seu irmão. Tu aimes toujours quand tu donnes, mais tu ne peux pas donner à quelqu'un. Você gosta de receber, mas você nunca deu. Tu es méchant. Você é maldoso. Tu es hypocrite. Você é hipócrita. Tu es cupide. Você é cúpido. Tu es impudique. Você é impúdico. Tu es impur. Você é impuro. La Bible dit si vous êtes ressuscité avec Christ. Alors, se vocês ressuscitaram com Cristo. Cherchez les choses là-haut. Procurai o que está assis à la droite du Père. Ne vous laissez pas attirer par les choses en bas. Cherchez les choses là-haut. Procura quando comme les enfants de la lumière. Filho da luz. Brillez, faites briller votre lumière. Faz brilhar a vossa luz. Afin que le monde voie vos bonnes œuvres. Para que o mundo veja as vossas boas obras. Et que votre Père qui est dans les cieux. Et votre Père qui est dans les cieux vous récompensera. Ele vous va dar galardão daquilo. Aujourd'hui, les gens qui sont dans les églises ne sont pas dignes d'être appelés disciples de Jésus. Hoje, muitos estão na igreja, mas não são dignos de ser chamados discípulos de Jesus. Mais Jésus a dit aujourd'hui. Mas Jesus disse hoje. Si quelqu'un veut faire les choses comme je fais. Se alguém quer fazer as coisas da forma que eu fiz. Qu'il renonce à lui-même. Que ele renuncie a si mesmo. Renoncer veut dire se détacher. Renunciar quer dizer se desatar. Pour faire les choses comme Jésus veut faire. Para fazer as coisas da forma que Jesus vai querer para você fazer. Détache-toi de la vie ancienne que tu avais. Se desate da sua vida antiga. Que tes anciens voisins remarquent que non, tu n'es plus dans les mêmes choses que vous faisiez ensemble hier. Que os seus amigos vejam que você não está mais nessas coisas que vocês faziam. Que les anciens voisins remarquent que non. Moi et tel, nous partions souvent voler à tel endroit, mais il ne vient plus voler avec nous. Mes amis, non, t'as qui? Eu e o tal, nós íamos roubar, mas ele que ele renonce à lui-même. Ele tem que se renunciar a si mesmo. Qui se charge de sa croix? Que ele leva? Parce que ça pèse. A sua cruz. Ça pèse, ça va faire couler la tête. Pesa, pesa. Il lui porte ça quand même. C'est difficile, mais accepte la vie de Dieu. La vie de Dieu est difficile. La sainteté est difficile. L'obéissance est difficile. La sanctification est difficile. La crainte de Dieu est difficile. La fidélité est difficile. Le contentement est difficile. La vie de piété est difficile. La vie de prière est difficile. Mais il faut te charger de ça. Você tem que carregar disso. Il faut te charger de ça. Tem que se carregar disso. C'est une croix qu'il faut porter. É uma cruz, você tem que levar. C'est pour ça que tu pourras tomber parce que c'est difficile. Você pode cair porque é difícil. Moïse a prié jusqu'à ce que les mains faisaient mal. Moisés orou até que os seus braços com qui veut voir sa vie de prière cette année s'améliorer? Qui? Quem quer que a sua vida de oração melhore este ano? Chaque jour ta vie de prière est toujours quelques secondes. Todos os dias sua vida de oração apenas 10 minutos. Année après année, ça ne change pas le niveau de prière. Ano após ano, não muda a sua forma. Mais à chaque fois qu'on libère le mariage, je dis je reçois. Vamos falar aqui, recebe o casamento também. Je posais la question à Dieu, Seigneur, les gens qui avaient reçu le mariage en 2018, ma pas l'étendre nous amener. Eu perguntei a Deus, a pessoa que receberam o casamento. Est-ce que c'était pas libéré, Seigneur? Mas não casaram. Aqui não. Les gens qui ont libéré le mariage en 2019, ils ont dit je reçois. A pessoa que recebeu em 2019, ils ne sont pas toujours mariés. Mas sempre. Que cette année soit ton année de mariage. Que cette année soit ton année de je dis que cette année soit ton année de mariage. Et enfin ce mariage il arrive. Que cette année soit ton année de miracle. De miracle este ano. Mais il faut te détacher. Tem que se desatar. Pour que Bartimée voit le miracle, il a laissé son manteau. Pour que Bartimée vise le miracle, il est nécessaire qu'il détache son manteau. Pour recevoir Christ dans ta vie. Para receber Cristo na sua vida. Tu dois tourner le dos à Satan. Você tem que virar as costas a Satanás.
tourner le dos au monde. Vire as costas ao mundo. Jésus est mort à cause du monde. Jesus faleceu por causa do mundo. Il a porté la couronne des épines à cause du monde. De levar a coroa de espinhos por causa do mundo. Porque nous tous qui sommes à l'église. Porque nós todos que cá estamos. Nous soyons affranchis du monde. Estejamos libertos do mundo. La vie vous connaîtrez la vérité. Diz, conhecereis a verdade. Et la vérité vous libérera. E a verdade vos libertará. Il dit, si vous rencontrez le Fils de Dieu. Se encontrar o Filho de Deus. Le Fils de Dieu vous affranchira réellement. Si o Filho vos libertar, realmente será livre ou liberto. J'ai dit cette parole pour tenir. Eu disse essa palavra para falar. J'ai publié un post hier sur Facebook. O pastor publicou alguma coisa ontem. Pendant que je tentais méditer ma Bible, ça m'a touché. Enquanto ele estava fazendo a meditação na sua Bíblia, aquilo tocou-lhe. Nous sommes tous en Turquie parce qu'on a monté un jour l'avion, je pense. Estamos todos porque subimos o voo. Parce que j'ai une personne qui est née en Turquie, c'est dans la salle. Alguém nasceu aqui? Une grande personne qui est née en Turquie. Um adulto que nasceu aqui na Turquia, ninguém. Donc, si nous sommes venus, si on a pris l'avion. Nós todos viemos de voo. Et à un moment, lorsque vous avez décollé. Quando vocês deixaram na terra. Au moment de décollage, vous êtes en train de voir l'aéroport. De subida, vous êtes en train de voir l'aéroport. Et les maisons qui étaient tout autour. E as casas que estavam ao redor. Mais plus vous êtes monté. Enquanto vocês estão subindo. Tu ne pouvais distinguer, ça c'est l'eau, ça c'est la maison, ça c'est la forêt, ça c'est... Tu peux rien distinguer. Você não pode distinguir que esta é a casa, esta é a água, esta é a floresta. Plus tu étais monté, tu peux pas voir ça, c'est la maison de Bobila Dawa, ça c'est la maison de Kasabubu, ça c'est la maison de Mobutu. Tu pouvais pas distinguer les belles maisons de Mekele. Enquanto você estava subindo, você não podia ver que essa é a casa da Ana Paula, essa é a casa do Eduardo Santos, de João Lourenço. Você não podia ver. La même chose arrive lorsque tu entres en profondeur avec le Seigneur. A mesma coisa acontece quando você entra na profundeza com Jesus. Plus tu parles loin avec le Seigneur. Mais longe você vai com o Senhor. Les choses du monde ne représenteront plus rien pour toi. As coisas do mundo não vão valer nada para você. Plus tu te rapproches plus haut du Seigneur. Quando você se aproxima mais com o Senhor, tu deviens insensible aux provocations du péché. Você fica insensível às provocações do pecado. Tu ne réagis plus. Você não reage mais. Parce que tu es plus loin avec le Seigneur. Você está longe com o Senhor. Comme une personne qui est trop montée avec l'avion. Comme une personne qui subiu tanto com o avião. Il ne sait pas distinguer ça c'est la maison du pauvre, ça c'est la maison du riche. Não pode distinguir se é a casa do pobre ou se é a casa do rico, não. Pareil, la richesse ne te dira rien. Ça sera plus une quête pour toi si tu es trop haut dans le Seigneur. Mesmo a riqueza não vai valer nada, não será uma conquista para você. Ça ne sera pas un souci pour toi. Não será uma ansiedade, uma preocupação para você. Ne vous souciez pas de ce que vous aurez à manger. A Bíblia diz: não se preocupai daquilo que vocês vão comer. Nem de ce que vous serez vêtus. Nem sequer daquilo que vocês vão vestir. Car Dieu nourrit les oiseaux du ciel. Pois Deus dá de comer aos pássaros. L'herbe du champ. Ele faz. S'il veut prendre soin de l'herbe qui va sécher le soir. Ele tem a preocupação da erva que vai secar. E pourquoi il va pas prendre soin de toi qui est créé à son image? E quanto mais você que foi criado à sua imagem, à sua semelhança. Séparons-nous des choses qui ne nous appartiennent pas. Temos que nos separar das coisas que não nos pertencem. Un jour le Seigneur reviendra. Um dia Jesus voltará. Au son de la trompette. Ao som da trombeta. À la voix d'un archange. Na voz de um arcanjo. Les morts en Christ ressusciteront. Os mortos em Cristo vão ressuscitar. Et les vivants qui seront restés nous serons enlevés, transformés. Et nous serons dans les nuées. Dans les nuées à la rencontre du Seigneur. Ao encontro do Senhor. Nous sommes que les pèlerins sur la terre. Nós somos peregrinos na terra. Nous sommes des voyageurs. Somos viajantes. Que je me marie, gloire à Dieu, que je ne me marie pas. Ce n'est pas mon souci. L'important que je sois enlevé avec lui. C'est pour ça que je suis en train de dire. C'est pour ça que je suis à l'église. C'est pour ça que je suis né de nouveau. Mon souci, c'est de rencontrer l'agneau quand il reviendra dans les nuées. A minha preocupação é de se contar com o cordeiro quando virá. Mon souci, c'est pas autre chose. Minha preocupação não é outra coisa. Est-ce que tu seras là au jour du retour du Seigneur? Você estará lá à volta de Jesus? Est-ce que la vie que tu mènes aujourd'hui te permettra de rencontrer le Seigneur s'il revient? Será que a vida que você leva hoje vai te permitir você se encontrar com Jesus quando ele virar sua busca? Est-ce que la manière que tu te conduis te permettra de voir le Seigneur de gloire? A forma de se comportar vai te permitir você ver Jesus na sua glória? Est-ce que tu attends le retour de Jésus? Será que você está esperando a volta de Jesus? Est-ce que tu crois au retour de Jésus? Você acredita na segunda vinda de Jesus? Est-ce que tu crois à la résurrection des morts? Você acredita na ressurreição dos mortos? Est-ce que tu crois à l'enlèvement de l'Église? Você acredita no arrebatamento? Est-ce que tu crois à la régénération des rachetés? Est-ce que tu crois à l'annonce de l'agneau? Est-ce que tu crois au millénium? Jésus reviendra pour que l'Église puisse régner mille ans avec lui.
Satan sera lié et l'église sera dans la gloire. L'église sera dans la gloire. Est-ce que tu seras parti de cela? C'est là que vous allez faire partie de cette histoire. Toi qui n'arrives pas à être fidèle à l'église. Vous savez qui non est fidèle à l'église. Est-ce que tu pourrais être fidèle à Jésus? C'est là que vous restez fidèle à Jésus. Tu n'es pas fidèle à un petit argent, 100 dollars que Dieu te donne par semaine vous pour donner la dîme. Esse dinheiro, o bocado que Deus te dá, será fiel a Deus, será. Tu n'es pas fidèle à ta femme. Você não é fiel à sua esposa. Tu n'es pas fidèle à ton mari. Você não é fiel à sua esposa, ao seu esposo. Est-ce que tu seras fidèle à Jésus? Será fiel a Jesus, será. J'aimerais que tu sois là le jour-là. Eu gostaria que tu estejas lá. Je prie le Seigneur qu'assiste tout entier soit enlevé aujourd'hui. Oro a Deus para que nós todos sejamos. Parce que le Seigneur a donné notre passage. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier si personne n'a? Nous devons dire à quoi sert à un homme de gagner tout le monde? Au courant de cette semaine, beaucoup de gens sont morts. Durant cette semaine, beaucoup de gens faleceram. Un des pasteurs qui a mené beaucoup de réveils sur l'onction, pasteur Roger Mupati, est décédé. Un des pasteurs les plus poderosos. Il était pasteur, il avait encore la vie. Il avait annoncé le thème de l'année. Il était le thème de l'année à l'église d'elle. Et Dieu l'a pris. Mas Deus, des enfants qui viennent de finir l'école n'ont même pas eu le temps de travailler. Il dénonce que ta stérilise a perdu sa sœur après la collation. Elle n'a même pas eu le temps d'utiliser son diplôme. Elle est partie. L'année passée, on a perdu la sœur Irène dans cette église. L'année passée, on a perdu notre sœur dans cette église. On peut te trouver n'importe où comme le retour de Jésus-Christ. Mais est-ce que tu es prêt à rencontrer ton Seigneur? Será que você está preparado para se encontrar com o Senhor? Nós temos vindo à igreja para se preparar para o retorno de Jesus Cristo. Nós devemos ter fiel ao retorno de Jesus Cristo. Nós devemos atender cela avec soif. Nós devemos chercher cela. Nós devemos dizer avec l'esprit: viens à bout. Venha, esposo. Akozonga. Yeshua Kozonga. Ele voltará, Jesus voltará. Neste mundo. Akozonga. Voltará. La technologie, les WhatsApp, les publications de YouTube ne vont pas empêcher Jésus de revenir. Jean divorce, Jésus reviendra. Même si on fait les publications de YouTube, Jésus reviendra. Aucune chose ne pourra empêcher le Christ de revenir sur la terre. Mais seulement il viendra pour les siens. Nenhuma coisa pode impedir Jesus de voltar, mas ele voltará. Heureux celui qui prendra part à la noce. A Bíblia diz: bem-haja quem vai participar neste casamento, nesta festa, neste festejo do Cordeiro. Tu peux incliner ta tête. Você pode inclinar sua cabeça, por favor. Abaixa sua cabeça. Revoa ta vie. Reveja sua vida. Medita um pouco. Est-ce que tu aimes le Seigneur comme tu l'aimais hier? Será que você ama Deus como você o amava ontem? Est-ce que tu as dit comme tu l'as aimé hoje? Será que você ama Deus como você o amava ontem? Continua a amar Deus da forma que você o amava. Est-ce que ton amor? Será que o teu amor? Ton zelo, né? O zelo é o mesmo? Est-ce que le zelo é o mesmo? Será que o zelo é o mesmo, permanece o mesmo? Há um cântico de chão de vitória que me volta no cœur. Há um cântico que subiu no coração. Aleluia. É. Quer que je suis sans rien à voir, sinon ton sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle, la tagne de Dieu, je viens, je viens. Que personne ne te pousse à te mettre à genoux. Fait que je suis ton cœur, frère. Je viens, est
Confie nasci de novo para encontrar que eu sou ton cœur et prêt à vendre le mien tel qu'il est pour tout changer. Dans la sanctification, un député qui attend le retour de Jésus.